Juge instruction la mort Belize a provoqué une dividale réaction à protestation dans mitan presse haïtienne nan acte communication yo organisation droit moun yo société civile la parti politique yo ak parlement à cause association livré by radio Kiskeya ak journaliste collaboratrice nou Liliane Pierre Paul peut-être yon information qui était sorti jeudi 12 septembre nan sur antenne station an concernant sanction conseil l'ordre avocat Port-au-Prince yo prend contre maître Belize doyen tribunal civil Port-au-Prince la maître Raymond Jean-Michel qui accompagné magistrat nan Massa qui chita des de la loi exigé depuis journée lundi pour Radio Kiskeya remettre pressé yon copie certifiée qui conforme ak document original qui sorti nan bao Port-au-Prince là qui décide kou la mort Belize qui était fonction juge liya l'a passé 10 ans sans pas ka exercer fonction avocat li à cause mauvais comportement li gagné dans plusieurs dossiers tant kou arrestation groupe moyen des frères Florestalio a mandat sans raison d'être li lagué de maître André Michel plus interdiction de départ qui tombé sous tête li conseil juridique radio a qui gagne à la tête li maître Samuel Madistin voyez jeter en bloc assignation acte toute accusation manqué magistrat dégâts maître Belize a lancé a pendant li fait appel contre ordonnance là devant la cour d'appel Port-au-Prince Association nationale média haïtien yo ANMH, Association journaliste haïtien yo AJH, Société animation communication sociale SACS, à groupe média alternative condamné ak toute force yo manève la marbelizer ak Raymond Jean-Michel la, yo considéré comme yon gros menace pour liberté la presse ak liberté la parole en Haïti. Même réaction en sorti bon côté RNDDH, POHDH, CNEH, Parti Fusion Social Démocratio, FOPARC, ak diverses personnalités, simples citoyens dans pays ya, kounan diaspora. Sénateur Andris Richer était passé personnellement après-midi mardi à la radio Télé Kiskeya pour t'établir solidarité ak station an, et puis Liliane Pierre-Paul, vice-présidente conseil administration an, en même temps présidente ANMH. Dans l'intervention li fait dans micro journaliste là en direct dans journal 4a parlementaire qui c'est numéro 2 au PL là fait connait dictature pas pousser racine encore en Haïti faut que toute démocratie lever camper pour bloquer projet régime groupe Moyette qui envie tourner sénateur Andris Richer dans micro régional de Jean-Louis son ligne que m'a poursuivre ligne m'a poursuivre là c'est pour que un jour que pays a li fonctionner non état de droit côté monde respecter monde parce que l'on regarder tout ça qu'a fait dans pays hein et que malheureusement nèg yo a essayé mettre frein à des gens qui sont qualifiés des gens qui gagnent notoriété pour que yo informer population hein sur ça qui a passé parce que autrement si pas gagne la presse est-ce que nous t'a jambe gonne ça passé au Kaila là dans ces maintenant là nous pas t'a connait si pas gagne la presse est-ce que gagne toute une série de malversations qui a développé dans pays en cachette et ben nous pas t'a connait yo alors étant donné que la presse là commencé pour une dimension et que il y a aussi un encadrement tout population qui comme c'est d'ado cap viser état de droit et bien il y a essayé Fresnel et forme donc ou même et surtout Liliane c'est que journal loi son journal qui est extrêmement écouté et où son journaliste que n'a capable dit et les autres confrères et pays a fait confiance donc c'est évident que s'il y a besoin commencer à attaquer commencer par ou même et il a dit que bon, si nous prenons ça et ben l'autre petit derrière et ben c'est corroboré excusez m'expression n'a pas mané donc quoi que c'est des choses qu'il faut dénoncer parce que il y a trop de monde dans pays qui bail vie yo il y a trop de monde qui mouri parce que Liliane Mabdouli jodi a peut-être Jean-Claude Duvalier a dit qu'il n'avait rien fait pour contre ce pays m'a dit que moi j'ai passé une année à Fort Dimanche de janvier 1976 à 31 décembre 1976, en plus de monde que vous venez prendre le soir pour y aller tuer, il y a 76 prisonniers qui ont eu grand goût de tuberculose et de maladie Fort Dimanche. Sous Jean-Claude Duvalier. Pour me dire ça, et nous avons les noms. Alors peut-être que Jean-Claude, peut-être dans tout d'ivoire que le DE a, puisque normalement c'est monsieur, et on jouit seul DE, il a joui l'argent pays, il a joui sur le peuple, il n'y a pas qu'on ait peut-être ça qu'a fait, parce que Gomban Siquet, généralement, qui toujours a supporté. Action ça. Il était que nous pas au courant oui parce que normalement si qu'il est tellement prêt pour mettre le système là pour que normalement il même yo capable jouer privilège, il va battre connait mais je dis à me dire Lille simplement pour seulement une année de janvier 76 à 31 décembre 76, gain 76 prisonniers qui mourir en prison de faim, de misère, de maladie sans compter monde tel que Marie-Thérèse Feval que vienne prendre en souhait. Je me dis le 26 mars 1976
que tu es avec près de 14 autres nègres prisonniers, ambal ça seulement pour ta connait parce que Maïté Esfeval là, on croit que li connait parce que Maïté Esfeval te moun qui gagne même la javel. Alors, et les m'a tendi ça qui a passé et puis m'a tendi tout radio a, moi dit que moi dit monsieur Mion font des tours parce qu'il faut me passer vinn bay solidarité ensemble avec nous. Parce que m'estime que pays a non seulement nous-mêmes nos besoins, mais pays a besoin. Parce qu'on est que pays ça aujourd'hui, hein, gagne pile monde puisque son pays qui gagne pile jeune là-dedans. C'est-à-dire monde qui pas gagne 30 ans et tout le monde qui pas gagne 30 ans soit parler par exemple de la dictature de Duvalier ou presque pas connaître. Je pas qu'à représenter. Aussi. Voilà, pas qu'on culture sous question ça dans pays. Mais faut me dire c'est ton bail tellement atroce, c'est ton bail tellement sanguinaire que bagay ça a été et que aujourd'hui a toute velléité de retour à instaurer un système comme si Ndadou dictatorial dans le pays, et eh bien là, son bagaille qui est anathème. Et faut me dire, tout nègre, jeune garçon, tant qu'on pile moun moué qui a fait apologie de désordre qui a fait là, je crois que quand même, faut même par respect pour nos ancêtres, par respect pour maman, yo, parce que 80% de moun dans le pays, c'est des gens qui sont en dehors. Et tout le monde qui vit en dehors, c'est le monde qui vit dans la misère, dans la crasse. Et que si un homme sorti en dehors, je dois arriver quelque soit arrivé, ou te doué un minimum de respect pour le peuple. Et c'est pour cette raison, tout le monde qui a bambilé aujourd'hui. Et qui t'a pensé que, jodi à la, faut que tu et comme si Ndadou, ta ébanda pour le système n'a retourné dans la saleté, dit yo, gade à yo. Et Liliane Mabdou, que. Et quand j'ai rencontré monsieur Matéli dernièrement dans OPL là, m'te dit ça, m'te dit que monsieur Matéli celle ça m'daka di ou c'est vrai que vous voulez gen dialogue, vous voulez parler avec tout le monde, c'est une nécessité nationale, mais par contre, premièrement faut bon contenu parce que ni ou même ni nèg qui passe en vont yo toujours dit vous voulez dialoguer, mais pas j'en compte sur qui ça voulez dialoguer. Je dis en là si n'a dialoguer parce que le pays a le besoin effectivement d'un rassemblement de toutes les forces démocratiques pour que nous avancions vers la construction d'un état de droit, vers l'instauration d'un état démocratique. Mais pour ça, il faut le faire sous base de franchise, faut le faire sous base tout de monde qui voulait avancer. Je dis par exemple, même qui pas sorti d'un côté ou dans aucun parti politique, ou rivé son chance de la nature ou rivé président. Alors, je dis, on t'a qu'à faire un coup d'éclat, on t'a qu'à essayer. Commencer à travailler vers ce grand processus de rassemblement. C'est ça qui a début dialogue là. Si effectivement dialogue, il devrait y en avoir. Et je pense que, parce que je dis à M. Degambi, le monde qui a peut-être dit des choses que m'estimer que qui pas correct. Parce que en fait, moi pense que faut, le passé de lutte des gens doit être respecté. Ça fait que si je dis à là, par exemple, en matière de lutte pour la liberté de la presse, si on moun, dans n'importe côté où on parle, de où il parlait de Jean-Dominique, il parlait de tous ceux qui ont vécu ces moments difficiles, parce que nous-mêmes, nous avons un bon anonyme tout, et que même moment, toute plume les résoudons. Et mais c'est même Jean-Tout, parce que je dis, hein, dans le cadre de la lutte pour la construction d'un état de droit, qui c'est une étape, yo, c'est-à-dire premièrement, la liberté de pouvoir s'exprimer, la liberté de pouvoir s'organiser, la liberté de pouvoir se réunir n'importe où et n'importe quand, c'est lui-même qui débute un processus de développement.